au musée du mémorial de guerre de Auckland. Nous assistons à un spectacle culturel maori. Water Beach est une plage située dans la péninsule de Coromandel, dans la région de Waikato. C'est une plage très populaire où chacun peut venir avec sa pelle et creuser son spa naturel d'eau chaude qui peut atteindre 64 degrés. Car sous le sable, des sources thermales d'origine volcanique s'écoulent à une profondeur de 15 mètres. Deux fissures souterraines laissant filtrer une eau très chaude qui remonte à la surface. L'eau réchauffe ainsi le sable et se mélange à l'eau de mer. Le débit est de 15 litres seconde, mais vous n'en profiterez qu'à marée basse.
Cathedral Cove, nichée dans la péninsule du Coromandel, est une des plages les plus célèbres du pays. Elle fait partie de la réserve marine de Te Whanganui Ae. À marée basse, il est facile de passer sous l'arche pour rejoindre l'autre rive. Et le gros rocher à proximité de l'arche, Te O'o, le puissant, selon une légende maori, serait le gardien de la plage. Waeke, joyau du golfe de Oraki, à 40 minutes en ferry d'Auckland. Si l'activité liée au tourisme est importante, les vignobles et les oliveraies sont également primordiaux. Vous pouvez déguster des vins qui n'ont rien à envier aux vins français. Et moult endroits ont des parfums de Provence, car rien n'y manque, ni les oliviers, ni la lavande, ni les cigales. Cet endroit est tout simplement paradisiaque. Different colored greens. Yep. One other difference. Quite to me quite a beautiful spot.